Il était une fois, à Bagdad, un astronome qui, après des nuits de calculs et d'insomnie, eut la confirmation d'une hypothèse bien étrange. Tu vois, ma vieille, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Elle tourne autour du Soleil, je n'ai plus aucun doute là-dessus. En revanche, je commence à avoir de sérieux doutes sur ton existence, oh Allah. Plus j'avance dans l'infini de l'univers, moins j'aperçois le bout de ton nez. Comment oses-tu douter de ton créateur, misérable singe enturbané? Quelle est cette voix? La voix de Dieu. Je veux des preuves, je suis un scientifique. Je veux des preuves en tout. Très bien. Puisque tu es si sceptique et si curieux, je vais te montrer demain et les autres demain. Je vais te projeter de 1000 ans dans le futur. Je te condamne à vivre dans le pays de la pluie éternelle. N'essaye donc plus de chercher la vérité dans les étoiles. Et maintenant, regarde bien cette boîte à images. Ton exil ne sera pourtant pas absolu. Tu pourras rentrer chez toi en passant par cette boîte. Non, pas comme ça. Le privilège ne te sera accordé qu'à une seule condition, que quelqu'un retrouve cette lampe et la rallume. Alors, il pourra te convoquer, mais il sera ton maître et toi, son esclave. Attendez, la lampe va s'éteindre. Qui va la rallumer? Bah, je vois plus rien. Et pendant ce temps-là, il y a 1000 ans, à Bagdad. C'est ton grand jour, Mustapha. Ah bon, pourquoi? Tu n'étais pas hier soir en ville? Je ne sors jamais de chez moi, sauf pour mon travail. Allah te protège, toi et les tiens. Allah te protège aussi, ami. Allez. Bonjour, Mustapha. Dis, papa, c'est encore loin? Non, c'est... À quelle heure ça commence? Tout de suite. Ah, c'est l'heure. Maintenant, vous allez vous taire et être bien sage. Je compte sur vous.
Pendant qu'on attend, est-ce qu'on peut attraper des papillons avec notre bonnet? Mais jamais de la vie, faut respecter les papillons. Comment on fabrique des papillons, papa? Allah prend une fleur, la glisse entre les pages du Coran, et quand il l'ouvre, c'est un papillon. Pourquoi t'as pas un trou pour la bouche? Parce qu'un bourreau n'a rien à dire. Vous non plus, d'ailleurs. Allez, allez vous asseoir. Voilà l'ordre du roi, l'ami. Procède tranquillement. Papa, qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Si vous voulez, je vais vous raconter toute l'histoire. Oh oui, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, seigneur Agib? Ça ne te regarde pas. Ordre du grand vizir. Fais ce que tu dois, comme d'habitude. Papa, s'il te plaît, laisse raconter la dame. Je veux savoir ce qu'elle a fait. Oh, on ne peut tout de même pas les laisser pleurer comme ça. Oh, mais on ne peut pas les laisser pleurer comme ça, ces petits. S'il te plaît. Dites-leur quel est votre crime, madame. Oui. S'il te plaît. Vous permettez? Tout a commencé dans le palais du bon roi Shahriar, le plus noble des rois. Il croisait les plus exquis des pollens pour obtenir les plus belles roses que l'on puisse imaginer. Et il les offrait à la reine dont il était follement amoureux. C'était il y a mille et un jours dans ce jardin ici même. Le roi passait toutes les heures qu'il ne consacrait pas à la reine à soigner ses fleurs. Elles étaient si délicates que le roi ne laissait que ses eunuques s'en approcher. Le roi cueillait une rose chaque matin, et chaque matin, la rose était plus belle. Pour les ministres. Il négligeait son harem, pourtant composé de filles intelligentes et sérieuses. Il faut dire qu'il était souverain d'un immense empire. Et il fallait bien qu'il consacrât quelques-unes de ses précieuses minutes à son gouvernement. Ah ! Gloire à notre roi, calife de Bagdad, commandeur des croyants. Gloire à mon excellent grand vizir, premier ministre de mes excellents ministres. Passons à l'ordre du jour, sire, si c'est votre plaisir. Allez. La révolte gronde aux marches de l'Empire. Il faut lever l'armée, écraser les barbares infidèles et faire de leur bouillie. De bons musulmans. Quelle décision prenez-vous, Majesté? Hein? Que pensez-vous de ce poème? Ô ma reine au teint de rose, sois ma rose, ma reine rose. C'est tout? Oui. Bravo, Majesté, bravo! J'ai mis mon poème en musique, sur les petits papiers, et vous allez le chanter. Un, deux, trois. Bref, le roi ne pensait qu'à la reine. Il l'honorait le matin, l'après-midi, le soir, le vendredi, le samedi. Mon ami, de quel meilleur amant pourrais-je rêver? Le roi était atteint de la pire des dépravations. Il était monogame, et cela ne manquait pas de chagriner le grand vizir.
Ma décision est prise. Aucune femme ne mérite que l'on néglige son royaume pour elle. Faisons le roi cocu. Et qu'il le sache. Bon, bon peuple. Sire, c'est épouvantable. Qu'est-ce, monsieur le chef de ma garde? La reine. Elle est malade? Madame? La garce! Sire, déjà de retour, sire. Oh, bah, sire. Je veux mourir dans l'instant qu'on m'apporte mon cimetière. Le joli. Avec la petite poignée rouge. Je souffre plus de ta trahison que de celle de la reine. Ah, j'avais donc raison, sire. Vous êtes délivré de cet amour. Allègre. Je voulais aussi. Oui, je voulais vous prouver la vanité de votre amour, de toutes les amours. Et je vous jure que je n'ai trouvé personne d'autre prêt à se sacrifier. Se sacrifier? Coucher avec ma femme était un sacrifice. Rajoutez de l'ivre. Non. Un instant, bon, la question est... Pouvez-vous retirer un petit poids? Oui, la question est... Devez-vous me tuer ou ne devez-vous pas me tuer? Parle. Tu es encore mon conseiller. Puis-je me relever? Merci. En outre, disais-je, la défunte souveraine était, pardonnez-moi, sire, une femme comme les autres. Je suis entré dans sa chambre, un peu d'audace, un geste vif, une plaisanterie, et hop. Tu mens. Oh, regardez-moi, sire, et je l'ai retenu ce qu'il t'aime. En effet. C'est pourquoi puis-je, ô mon roi, vous donner encore un conseil, fût-il le dernier? Parle. Vous êtes monogame, soit, mais n'accordez plus à aucune femme la couronne royale pour plus d'un jour. Celui où vous l'aurez possédé, le lendemain, faites-la décapiter. Ainsi, vous, grand roi, pourrez dire un jour, j'ai eu 1000 reines et toutes fidèles. C'est le seul moyen, majesté. Tu as raison. Et devant Allah, je jure de suivre ton conseil éclairé. Oh, ma prochaine épouse sera ta gracieuse fille, grand vizir. Le pauvre grand vizir est bien ennuyé. Sa fille est paresseuse, stupide et dépensière. Doit-il la laisser devenir reine? Reine d'un jour? Je suis le grand vizir, je suis travailleur, consciencieux, respecté. De quoi aurais-je l'air si je disais demain en couple le coup de ma fille? Bon débarras. Place au grand vizir. Allez, rentre à la maison. Et pourquoi ça, papa? Les gardes sont en train de les picoter, on ne peut pas entrer au palais avant la semaine prochaine. Mais je veux être reine tout de suite, Na. Regarde, mon joli maquillage. Oh, je t'ai déjà dit 100 fois de ne jamais te dévoiler. Maintenant, rentre à la maison ou je te balance de plein. Un jour, je serai reine. Et je te ferai cuire un petit feu. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette mort? Regardez. On part de 2000 dinars. Oui, je sais, c'est un peu beaucoup, mais cette femme les vaut. Je ne veux pas être une esclave. Je veux être épouse et mère. Ou alors, reine. Il n'y a pas d'amateur pour ma perle rare? 3000. On dit 3000. 4000. 5000. 6000. 1 million. Oh. Approche-toi, la fille. Tu veux être reine? Si c'est vous le roi, j'aime mieux m'occuper des cochons. Quel caractère, hein, c'est... Viens avec moi.
Allez, on ferme. Sais-tu qui est ton nouveau maître? Je vous préviens, je n'ai aucun talent de femme d'intérieur, j'ai horreur de ça. Je fais pas la cuisine ni le ménage. C'est le cadet de mes soucis. Je suis, tiens-toi bien, le grand vizir. Et alors? Tu vas remplacer ma fille. D'ailleurs, dès cet instant, tu es ma fille. Je t'adopte. Je ne suis plus une esclave, alors? Non seulement tu n'es plus esclave, mais ce soir, tu seras reine. Reine? C'est une plaisanterie? Tu verras bien. Où sont les autres? Quels autres? Il n'y a pas de cérémonie? Je croyais qu'on se mariait. Il n'y aura aucune autre cérémonie. Tu seras ma reine. Alors c'est vrai? Avec cette bague, je t'épouse. Comment t'appelles-tu? J'ai l'impression de rêver, Votre Majesté. Même si ce n'est qu'un rêve, tant pis, il me plaît. Mais pourquoi moi? N'es-tu pas la fille de mon grand vizir? Suis-je ou ne suis-je pas le roi? Ainsi en ai-je décidé. Je m'appelle Sheherazade. Oh. Mais tu es folle! Mais enfin, ça fait très mal! Oh, pardon! Si ça ne passe pas la peine d'amputer. Vous m'en voulez? Faut-il que j'enlève mes vêtements? Bah, évidemment!
Allez, va, je te pardonne. On est peut-être mariés, mais on se connaît à peine. Eh ben, toi, tu vas me connaître. Et c'est ainsi que s'acheva ma nuit de noces. Et alors ? Ça a duré toute la nuit. Le roi n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est vrai, quoi, on ne se met pas au lit comme ça avec le premier venu. Non, mais... Je finis par m'endormir. Bien sûr, j'ignorais que c'était ma dernière nuit sur Terre. Garde ! Appelle le grand vizir. Là, si. Qu'on en finisse. Faites comme il a été prévu. Majesté. Majesté. Pardonnez-moi de vous déranger, mais il faut que l'on vous coupe la tête immédiatement. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Le roi juré sur Allah ? Voudrais-tu que ton roi soit un roi parjure ? Privé de sa propre estime et de celle de son peuple ? Voudrais-tu que la colère d'Allah retombe sur sa tête, faisant rouler à terre sa couronne, faisant de lui un fantoche, un pantin ? Oui, c'est ce que je voudrais ! Mais tu es une misérable. Quand je pense que je t'ai adoptée, quand je pense que tu es ma fille, oh, j'ai honte. Moi, votre fille ? Comment un babouin tel que vous pourrait-il être mon père ? Oh non, mais dites-moi que je rêve ! Laissez-moi m'en aller ! Je ne me relâche pas tout de suite, je raconte toute l'histoire. Okay, non, mais quelle histoire ? Non, mais laissez-la. Si vous ne me laissez pas m'échapper, alors je vais tout dire aux gardes qui le diront à leur chef pour qu'ils le disent au roi. Et alors votre fille, la vraie, pas moi, sera la prochaine à mourir. Vous ne tromperez pas deux fois le roi. D'accord. Jugée pour cette splendide somalienne. Et maintenant... Oh, votre excellence, qu'Allah soit propice à tous vos désirs. Oui, ça va. Écoute-moi, la fille que tu m'as vendue. Oui, vous voulez me la revendre. Mais comment le sais-tu ? On lui donne ses 8 jours tous les matins, alors. Vends-la à un Indien, mieux, un Chinois, qui l'emmène au-delà de la Grande Muraille. Mais attention, ne montre pas son visage, qu'elle reste cachée. D'habitude, je la rachète un clou. Ah, mais c'est parfait. Ah. Alors, tu ne dis pas au revoir à ton père ? Va astiquer ton clou. J'y vais. J'ai un 9000 dinars, là. Un 9000 qui va me dire 10 000. Oui, allez, 10 000. Alors, 10 500 ou 10 500, peut-être, non ? Alors, 10 200 ? 12 000. Là-bas, regarde. Quelqu'un a levé la main. Qui ça ? Sur le mur, le jeune homme qui est assis. Quoi, le pouilleux ? Hé, hey, toi, là-bas. Toi, oui, le pouilleux, là. Tu as levé la main ? J'ai levé la main, moi, non ? Alors, 12 000 au noble vieillard. Une fois, deux fois, deux fois. 12 500, oui, 12 500, une fois, deux fois. Achète-moi. Avec quoi ? La bague. 14 000 ici. Alors, 15 000. Allez, un effort, 15 000. Hé. 15, une fois, trois fois, adjugé. Allez. Quand je vois quelqu'un qui sauve, je ne me pose pas la question, je me sauve aussi. Je vais vous fuir sans raison que d'être arrêté pour un motif précis. Tu es un voleur ? Ça m'arrive. Exceptionnellement, mais ça m'arrive. Ouh ! Et toi, tu cours comme une vraie gazelle ? Qu'est-ce que tu fuis comme ça ? Je voulais te montrer que je suis rapide et en bonne santé. Que t'as fait une affaire. Comment tu t'appelles ? Aladdin. Tu es mon maître. Donne-moi des ordres. Maintenant, je sais pas. Fais-moi faire quelque chose. Bon. Bon, eh bien... Tiens, prends pas cette brique.
Comment, tu habites loin? C'est ici que tu habites? Oui, c'est là, précisément. Où est-ce que je mets la brique? Oh, n'importe où. Non, non, tiens, pose-la là. Première pierre de notre maison. L'entrée sera par ici, avec une terrasse sur le toit. Non, non, je ne veux pas de maison. Tu as raison. Vous êtes très jolie chez toi. Oula, j'ai faim. Je ne mange jamais. Mais comment tu fais? Tu vis de quoi? Je pense. Tu es beau quand tu penses. Mais à qui est-ce que tu penses? Je suis ton esclave. Je suis là pour t'obéir en tout. Ça te tente? Écoute, mais mettons les choses au point. Je suis pauvre, je n'ai rien et je n'ai besoin de rien. Je suis un intellectuel. Je vais changer la société radicalement. Il n'y aura plus de rois, de sujets, de marchands, d'esclaves. D'esclaves et de maîtres? Oui, c'est très joli. Mais ça ne sera pas facile. Pas facile, ça je sais. Je dois consacrer toute ma vie à cette œuvre. J'ai renoncé à tous les plaisirs pour n'avoir aucune envie. Ça te plaît pas? Écoute, si tu continues à m'empêcher de penser, je vais te revendre et je vais me racheter des livres d'intellectuels. Attention! Mais de quoi t'as peur? Je suis la reine de Bagdad et le roi, mon mari, veut me faire couper la tête. Ah non, oh. Lui, y a rien. Oh, ça m'agace. Qu'est-ce qui t'agace? Tu sens bon? Il y a personne, allons-y, on s'en va. Je meurs de faim. Moi aussi. Oh, c'est drôle, dis donc, parce que la dernière fois que j'ai eu faim, attends, c'était... Oh là, c'était... Quand j'ai dû passer la tête sur la révolution. On devrait bien trouver quelque chose à vendre dans tout ça. Une tête de poisson, un bouchon de cara, une babouche, trouée. Une vieille lampe à huile, un croûton de pain, un crâne de mouton. Te fatigue pas, va. Le seul trésor ici, c'est moi. Que penses-tu de cette vieille lampe? Ouais, peut-être en or. Oh, c'est peut-être une idée. Je trouverais bien un imbécile au marché à qui je le ferais croire. Parce que les hommes, je sais les mener par le bout du nez. Je peux leur faire croire n'importe quoi. Mais moi, on ne tient pas par le bout du nez. Tu m'as l'air bien sûr de toi. Mademoiselle? Madame. Oui, excusez-moi, madame. Quel jour sommes-nous? On est mardi? Pourquoi? Non, non, je veux dire, quelle date? Oui, où sommes-nous? Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Scheherazade. On est à Bagdad. Scheherazade. Bagdad, les mille et une nuits. Je le sentais venir. Vous avez trouvé la lampe? Oh, peu importe. J'étais si tranquille. Bien, je suis votre serviteur. Ordonnez, j'obéirai. Mais je ne me suis pas présenté. Docteur Jenny. Jimmy Jenny. Mes hommages, madame. Un génie? Un génie? En quelque sorte. Je veux des œufs de caille, et du caviar, et des cornes de gazelle sur un plateau d'argent, et du nectar de fruits de la passion dans des verres en cristal. Calmez-vous, et avec ça... Calmez-vous, mes pouvoirs sont très limités. Ne me demandez pas d'arrêter le soleil ou de faire tomber la pluie. Je ne peux vous offrir que ce qu'il y a dans la lampe. Qu'est-ce qu'il y a dans la lampe? Le 20e siècle. C'est quoi? Un vaste foutoir. Si je demande des loukoums et du thé, est-ce que ça irait? Des loukoums dans mon quartier? Pas facile. Je vais voir.
comprends pas. J'ai besoin d'aller retrouver ce plan. Oh, Jim, nous commencions à nous inquiéter. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Thompson serait la quatrième, c'est un excellent joueur. Allô? Excusez-moi, j'ai un petit problème, vous avez du thé? Bien sûr, il est tout prêt. Enlevez vos femmes, père. Non, je ne fais que passer. Par hasard, vous n'auriez pas des loukoums? Des loukoums? Good heavens, no. J'ai du pudding là, si vous voulez. Ah oui, du pudding, ça va faire l'affaire. Je vous le prends. Je reviens tout de suite, hein. Excusez-moi, faut que j'aille faire un saut, je vais à Bagdad. Enfin, je vous explique. Oh, quel temps! Je vous prie de m'excuser, mais il faut que je rentre. J'ai un bridge à 6 heures chez mes amis les Wilson. Bridge? Oh, oui, bien sûr. Je comprends. Je vous reverrai? Je le crains, oui. Ça vous ennuie? Oui. Quoi que vous soyez ravissante. Peut-être à cause de ça, d'ailleurs. Je me sauve, voilà du monde. Bonne nuit. Et n'oubliez pas, cher ami, vos désirs sont des ordres. Parce qu'il faut que vous sachiez que pour tous ceux qui ne connaissaient pas la lampe, Jimmy Jenny et tout ce qu'il rapportait du XXe siècle étaient invisibles. Mais revenons à Aladdin, qui m'attendait sur son tas d'ordures. La nuit était tombée, comme vous pouvez le constater, et notre ermite ne crachait pas sur le pudding miraculeux. Je dois avouer que ce gâteau n'est pas mauvais. Pourquoi tu souffles la lampe? Fais nuit. Jimmy Jenny a une partie de bridge ce soir. Je ne veux pas le déranger. Je te demande pardon, une? Bridge. Son bridge à 6 heures. Son bridge? Ah. Tu ne me croirais pas si je te racontais. Oh, quelle journée! Je suis épuisée. J'ai toujours sommeil après avoir mangé. Bah moi, plus je mange, plus j'ai faim. Et moi j'ai sommeil. Pense. Vous êtes mon maître, ordonnez et j'obéis. Bon, écoutez, vous avez vu l'heure qu'il est, hein? Je vous signale que je n'ai pas eu le temps de prendre mon breakfast, alors demandez-moi ce que vous voulez, mais finissons-en. Oh my god! Ah non, je suis trop petit là. Oh. Ah, voilà. Thank you.
Ça va? Rien de blessé? Non, ça va. Et moi, personne me demande si je suis encore en vie. Oh là, j'ai dû me casser la jambe. Non, tu n'as rien du tout. C'est de votre faute, après tout, on ne parle pas au conducteur, c'est décrit dans tous les bus. Dans tous les bus? Oh, regarde-moi ça, ma moto. Merci, hein. Mais on s'en fout de votre moto. Non, c'est le coude. Vous vous foutez de ma moto? Vous savez ce que c'est que cette petite merveille? Je l'ai cervelée. C'est la maquette du vainqueur du Paris-Dakar, mais ça vous dit rien, bien sûr. On est désolé, Jim. Vous pouvez l'être. C'est un cadeau des Wilson. Moi, j'y tiens, cette moto. Oh, mais vous n'êtes qu'un vieil emmerdeur. Ou alors, si c'est comme ça, je ne vous prêterai plus rien du tout, hein, puisque je suis un vieil emmerdeur. Oh mon Dieu, 6h10. Les Wilson doivent être morts d'inquiétude. Ciao. Les génies ont toujours mauvais cœur. On ferait peut-être mieux de le rappeler. Devenir. Oh, regarde. C'est magnifique. La pureté originelle. Aucune trace de vie. La terre, le ciel à l'infini, le vent. Pas une herbe. Dès qu'il y a vie, il y a pourriture, rien n'excite plus mes sens. C'est agréable. Moïse, Jésus, Mahomet. Ils ont tous trouvé Dieu dans le désert. Oui, oui, je serai le prophète de la grande révolution. Eh bien, adieu, Aladdin, tu n'as pas besoin de moi pour prêcher dans le désert. Il me prit au mot et disparut derrière une dune. Mais quelle tristesse pour moi d'avoir perdu Aladdin. Le généreux Aladdin. Le papa s'est endormi, tu risques rien pendant une heure. Tu as fini ton histoire? Oui. Où est-ce que j'en étais? Aladdin t'avait laissé toute seule. Oui, oui, en plein désert. Il était tombé dans le même défaut que bien des hommes. Il se prenait trop au sérieux. Il oubliait que la vie n'est qu'un jeu et même parfois une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est une plaisanterie? Quelque chose de beaucoup trop grave pour laisser les gens sérieux s'en occuper. Mais revenons-en au roi. En voilà un qui ne se prenait pas trop au sérieux. Mais là, il était bien obligé d'être sérieux, parce qu'il avait un gros souci. Il n'en pouvait plus, le roi. Depuis des semaines, il n'avait pas connu l'amour. Lui qui avait juré sur Allah de tuer sa femme avant de pouvoir en prendre une autre. Ses ambassadeurs avaient parcouru le monde entier à ma recherche. Des rives du Yangtze-Kiang jusqu'à la mer d'Irlande. Des colonnes d'Hercule aux sources du Nil. L'empereur Charlemagne m'a reçu, personnellement. Il a envoyé des émissaires dans tout l'Empire d'Occident. Introuvable. Je n'en peux plus de ce tourment, Majesté. Je ne pense qu'à Scheherazade. Jour et nuit, à cette nuit atroce et sublime. Elle m'a résisté. À moi, tu te rends compte? Je la veux. Je l'aurai et je la tuerai. Sire, sire, j'ai retrouvé la reine, perdue dans le désert, à demi-morte de soif. Je l'ai mise sous bonne garde dans votre palais d'été. Je gis. Quel bonheur. La reine? Oui. Je vais la chercher. Mon cheval, mes éperons, ma garde impériale, monsieur mon grand vizir, soyez régent de mon empire pendant la matinée. La reine est à deux pas, majesté. Oh, pardon. C'est pas grave. Thank you.
que c'est vous qui êtes en cage. Demain matin, tu vas mourir. Sûrement pas. Pourquoi ? Parce que vous voulez me posséder. Mais vous n'y arriverez pas. Alors il vous faudra attendre et attendre et attendre encore. Tu es très sûre de toi ? Je ne suis sûre de rien du tout. Je raconte des histoires, je ne fais rien d'autre. Et là, j'ai du mal à vous raconter. Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? Toi. Alors pourquoi voulez-vous me tuer ? Pour que tu ne m'échappes plus. Si je puis me permettre, sire, ce n'est pas très malin. En fait, c'est complètement idiot. Qu'attendez-vous de moi ? Je ne veux rien de toi. L'amour ne se prend pas, il se donne. C'est vous qui avez trouvé ça ? Oui. Je ne trouve pas ça très bon. Mais de quoi je me mêle ? Est-ce que vous me promettez ? Je ne promets rien ! À cet instant, je te donne mon royaume, mon cœur et ta liberté. Merci, Majesté. Où la petite peste ? Garde ! Jimmy, dépêchez-vous! Venez vite! Vite! J'étais donc en train de fuir, mais je me rappelle pas pourquoi. J'ai fui le roi comme d'habitude, mais cette fois-ci dans les airs. Ah oui, je me souviens. Maintenant, on va un peu redescendre des nuages. À Abaran, le grand port du golfe Persique, où les marins du monde entier font escale sur la route de l'Afrique. Venez-vous, les amis. Vous devez avoir soif. Ah, on vient de la banquise, enfin chez les nègres. Entre-temps, on aimerait bien rigoler un mais peu. Ça, c'est facile, vous connaissez les bons coins. Vous descendez en Afrique. Oh, j'en ai fait le tour plus de 10 fois à bord de mon 24 mâts. Suivez-moi. Oui, je vous dis que j'ai visité le monde entier. J'ai vu le Métapon, j'ai l'Espon, j'ai vu l'arbre de Judée, l'île de Médée, l'île des pingouins, l'île des crétins, l'île des écus, l'île des cocus, j'ai Arrête vu... tes histoires, on les connaît. Tu nous les casses. J'ai vu le Sargasse. Tu nous les as cassés aussi, va-t'en au diable. Merci, gentil seigneur. Y a plus d'essence. Vous avez un
Viens. Oh, je vous ai fait mal? Non. Qui êtes-vous? Scheherazade. Et vous? Sinbad le marin. Ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. J'ai un peu froid. Et je meurs de faim. Et moi, j'ai un peu bu. Avec des mirettes comme ça, tu devrais pas avoir de problème. Non, aucun. Ah, quand on connaît pas une cuisine, où est le sel? Dans le pot de miel. Eh oui, avec toi, j'aurais vite fait de me payer une coque neuve. Qu'est-ce que tu sais faire? Oh, des tas de choses. Je sais recoudre un bouton, faire des œufs au plat, voler dans les airs, courir. Ça, je suis très forte pour courir. Et la danse du ventre, tu connais? Je trouve ça vulgaire. Oh, mais il faut y mettre de l'élégance. Regarde. Tu vois? Tu vois? Hein, c'est assez délicat. Tout part des hanches, la tête ne bouge pas. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas drôle, la danse du ventre. C'est érotique. Vas-y, toi, tu verras, c'est pas si facile. Comment on fait? Hein? Comme ça? Juste en remuant les hanches? Hein? Là, 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 là. Hein? T'as des progrès à faire, mais on devrait y arriver. Comme ça? Il ne me manquait plus que 2 semaines pour lancer mon bateau. Mais peut-être 3. Allez. Allons-y. Tenez, prenons celui-là. Vas-y. Tenez. Oui. Tenez. Attention. Fais attention, je ne sais pas nager. Vous inquiétez pas. Tout le monde sait que les grands navigateurs ne savent pas nager! Elle est partie. Allah la protège. Tout est bien. Quelle nuit, mes enfants! Où sommes-nous? Hé, Chéché. Tu sais que tu as un très joli cul. Je me demande si je pourrais pas t'aimer. Eh bien, voilà qui est assez clair. Mais... on est en pleine mer! Elle a hissé la voile! Mais... c'est pas fait pour ça, les voiles! Avec ce vent, c'est de la folie! C'est...
c'est vous Sinbad. Sinbad le marin. Bien sûr, j'avais entendu parler de Sinbad le marin, le grand aventurier. Jimmy Jenny avait les mille et une nuits dans sa bibliothèque. La vraie histoire, pas ma version à moi. Et en lisant l'original, j'ai trouvé que j'y jouais un rôle trop épisodique. J'ai donc décidé de l'améliorer un peu. Et comme ça, vous ne connaissez pas la fin. Et je ne connais pas non plus la mienne. Quoique ma fin semble bien proche. Avec le roi qui ne revient pas. Il est si tard, où peut-il être? Où il est, le roi? À cet instant, je ne sais pas. Mais quand j'étais perdue en mer, voici plus d'un an, le roi était là-bas, à cet endroit précis. Sire? C'est désespérant. Ils sont tous là. Mais que faisiez-vous? Ce livre est un dictionnaire de langage d'oiseaux. Scheherazade est envolée, alors peut-être qu'un oiseau pourrait la retrouver. C'est pourquoi j'apprends leur langage. Ah. Cela dit, j'ai de gros doutes sur cette colombe. Je lui ai dit, va la chercher, et elle me répond très bien, merci et vous. Alors, ou bien ce livre est un tissu de foutaise, ou cette colombe est idiote. C'est peut-être votre accent, Majesté. Ne soyez pas insolent. Ils sont tous arrivés? Oui, sire, j'ai réuni tous les plus grands magiciens de l'Empire, selon vos ordres. Mais je ne vois pas en quoi ils peuvent nous aider. Une femme qui vole dans les airs est une magicienne. Répondons à la magie, par la magie. Oh. Non, je ne vois pas, Scheherazade. Je vois un homme bizarrement habillé qui pleure. Il pleut de rire. Il regarde une fenêtre. Dans la fenêtre, je vois un marin, une très jolie femme. Scheherazade ? Ils sont en mer. Non, ils sont dans une boîte qui est comme une fenêtre. Ils sont dans une boîte ou en mer ? La mer est dans la boîte. La boîte est dans la boule de cristal, je n'y peux rien. Ça suffit ! Ces charlatans ne peuvent jamais s'expliquer clairement. J'en ai assez. Sinbad ! Attention, la vol ! Sinbad ! Paul Commando, regarde-moi ça ! Regarde, on va couler ! Vas-y, vas-y, j'attrape le radeau. Passe-moi ton sac. Vous l'avez? Tiens alors, monte. On va devoir se rationner. Aucune terre à l'horizon. Hein? Un naufrage par un temps pareil? Ça te paraît pas bizarre, petite? C'est la malchance. Écoute, à 13 ans, sur la barque de mon oncle, devant la jetée, j'ai pêché une sardine. Eh bien, l'odeur m'a donné le mal de mer. On est rentré au port et je ne l'ai plus quitté. Voilà, maintenant tu sais, c'est dit. Ça ne vous empêche pas d'être Sinbad le marin? J'ai tellement rêvé de découvrir le monde que je l'ai inventé. Au fond, vous me ressemblez, Sinbad. Sinbad, le fabulateur. Moi, je te ressemble? Je suis du toc, moi. Même mes conquêtes féminines, ce n'est que des bobards. Dès que je bois, terminé. Et je bois tout le temps. Et ce qui est pire, je m'en fous. Enfin, pas vraiment. Hein. Toi, tu vois, tu me fais assez envie. Tu veux dire que tu m'aimes? Oh, je n'ai pas dit ça. Tu voudrais me faire un enfant? Oh, les grands mots. Arrête de boire. Je t'aiderai si tu veux. Arrêtez de boire avec toute cette flotte autour de nous. Je crois surtout qu'on va boire jusqu'à plus soif. Je vais crever sans avoir jamais connu ni le monde ni la femme. Mais toi, Scheherazade, toi qui dois vivre. Oui, prends mes rations, prends mon pain. Tiens, prends ma gourde. Adieu, ma chéchée. Tu raconteras ma vie, la vraie, celle du héros. C'est pas très fou! Oh! Allez, viens! Je vais t'emmener faire le plus beau des voyages. On va rendre visite à mon ami Jimmy. Oh.
Mais faites un peu attention, vous êtes trempé, vous allez saloper mon parquet. Tout de même. Bon, je fais du thé, et après vous me ramenez cet oiseau sur son radeau. Jimmy, vous êtes à mes ordres ou pas? Je suis peut-être le génie de la lampe, et je suis pas là pour tenir la chandelle. Alors faites-nous découvrir le 20e siècle. Vous m'avez dit que c'était merveilleux. Vos désirs sont des ordres. Vous voulez pas attendre que ça se calme un peu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une publicité pour un produit d'entretien, mais ça doit être truqué, ils n'ont pas envoyé une équipe dans l'espace. Dans l'espace? Eh oui, monsieur! L'homme a conquis l'espace! Regardez! Juillet 1969, la plus grande date de l'histoire de l'humanité. Neil Armstrong marche sur la Lune. Oui, encore des images. Bon, je voudrais vous dire une chose, tu. Là, je suis quand même épaté. Moi aussi. Oh là, la lampe va s'éteindre. Si personne ne la rallume, vous allez rester coincé ici. Allez hop, il faut passer. Et si jamais elle tombe dans la mer, et d'ici que quelqu'un la retrouve, allez hop, vite. Allez. Allez, encore un temps. Bouchez. Je vais pas me traîner cet immigré jusqu'à la fin de mes jours. Rentrez chez vous, Jim. Il n'y a pas de place pour trois. On va tous se noyer. Je ne vous laisserai pas seul avec cette énergumène. Mais chie quand même! Jim, c'est un ordre! Oh, dans ces conditions! Sauvés par l'équipage de ce navire. Ils étaient perdus. Jimmy m'avait donné une petite aiguille qui indique toujours la direction du nord. Et un livre. La voile en dit le son. Ce qui me permet de donner quelques petits conseils aux marins. Hissez le pont! Serrez-moi le pont d'un peu plus près, bande de feignants! Affalez-moi les huniers, matelots! Envoyez le Spinnaker! C'est quoi le Spinnaker, capitaine? Sans doute qu'on l'a pas encore inventé. À terre, à l'horizon! Et c'est ainsi que je devins capitaine de ce bateau et de son équipage de brutes. Comme ils me croyaient magicienne et qu'ils redoutaient mes pouvoirs, ils m'obéirent au doigt et à l'œil. Grâce à mon aiguille aimantée, je réussis à faire le tour de l'Afrique. Et je découvris des contrées où vivent d'immenses sortes de chameaux à la robe tachetée, au cou très long. Si haut qu'on dirait des minarets. Et d'énormes cochons dont le nez traîne jusqu'au sol. Mais j'avais le mal du pays. Je retrouvais mon navire et nous fîmes voile pour Abaran, où j'étais partie avec Simba. Notre vaisseau venait de se poser sur la Lune. Nous coupâmes les bombes à feu et nous descendîmes l'échelle de coupé. Pas un souffle d'air. L'horizon était gris.
Le soleil brillait au milieu de milliards d'étoiles. Et parmi elles, une grande boule bleue et blanche, la Terre. Parce que la Terre n'est pas couleur de sable ou de forêt. Elle est bleue de mer et blanche de nuages. Nous fîmes un pas, deux pas. Nous étions légers comme des plumes. Et nous décidâmes de faire le tour de la Lune, à pied, mes amis. Et sur la face cachée de la Lune, tous les rochers étaient de diamants purs. Cet homme assis là-bas, qui est-ce? Un grand seigneur. Paraît-il incognito. Et il est sûrement un peu fantasme. Ça fait un an qu'il est là. Et qu'il guette l'horizon. Arrête-toi et file. C'est interdit d'aller plus loin. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Attention! Allez! Je arrêtez-le, c'est un voleur! Et dépêchez-vous, allons! Arrêtez-le! Je te tiens! Oh! Vous me faites mal! Qu'est-ce qui se passe? Un schnappon de marin qui a volé des raisins. Un marin? Tu reviens de voyage? Oui, monsieur. Laissez-le. Viens plus près, mon garçon, n'aie pas peur. Je peux le manger, le raisin, monsieur? Tu as les mêmes yeux que celles que j'attends. Vous attendez qui? Dans tes voyages, as-tu entendu parler d'une femme qui vole dans les airs et chante comme une sirène? Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est ma femme. On raconte que vous l'attendez depuis un an, c'est vrai? Elle reviendra. Je saurai me faire aimer, elle me donnera un enfant. Mon problème, c'est que je ne suis pas un monsieur, je suis un roi. Je ne rêve que de planter des roses, d'écrire des chansons, de vivre sur les routes et de faire l'acrobate. Je suis fatigué, monsieur. Je peux me reposer à côté? Comme tu veux. Mais je te préviens, je n'aime pas les garçons. Ça, j'avais compris. Monsieur. Je vais vous faire de la peine, Jim. Si vous trouviez le bonheur, quel qu'il soit, ma belle amie, j'en serais heureux. J'ai trouvé un homme qui veut tout sacrifier pour moi. Il m'attend depuis plus d'un an. Et il veut un enfant. Il n'est pas le seul. Et vous l'aimez? Il est juste à côté, devant la tente. Mais ne nous précipitons pas. Est-ce qu'il a une bonne situation d'abord? Enfin, de quoi faire bouillir la marmite? C'est le roi de Bagdad? Évidemment, ça demande réflexion. Mais attention, est-il prêt à vous épouser? C'est déjà mon mari. Woohoo!
Majesté! C'est le couscous. Du confus, ça me ballonne. Eh bien, c'est agréable. Non, j'adore votre couscous, mais enfin, tous les soirs, quand même. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, vous n'avez qu'à rentrer dîner chez vous à Londres tous les soirs. Je ferais bien une partie d'échecs. Ouais. Tu veux me passer le jeu? Ma lune de miel, c'est dans le coffre. De quoi est-ce que vous parlez? Je me demandais si tu n'étais pas enceinte. Ah, je pourrais vous emmener à Londres, si vous voulez, pour vous faire faire une échographie. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Celui-là. Ils vous mettent une sorte de boule de cristal sur le ventre de la maman, le bébé est à peine gros comme un petit pois, et on voit déjà son cœur battre. Vous serez son précepteur, Jim. Non. Vous lui enseignerez l'avenir. Oh, ce serait avec joie. Vous pouvez pas savoir. Pour moi qui n'ai jamais eu d'enfant. Heureusement, d'ailleurs. Et pourquoi? Je ne plais qu'aux moches. Oh, ça, les moches. Mrs. Wilson, par exemple, ça, j'aurais eu qu'un mot à dire. Non, non, je préfère encore terminer mes jours au couscous qu'au pudding. Quoique, ça ne m'aurait pas déplu de faire cocu Wilson. Non, non, comprenez-vous, je n'aime que les très belles. Les reines. Les étoiles. Calmez-vous, Jim. En attendant, échec au roi, échec et mat. Je suis prêt pour la répétition. On y va. Maintenant, voici le clou de la soirée. Non, ça va pas. Et voici maintenant le clou de notre spectacle. Voilà, c'est mieux. Allez, vas-y, mon petit cœur. Bravo! Jimmy, emmenez Sa Majesté avec vous. Ensuite, je leur fais le tour avec le lapin. Je continue avec le foulard. Et après, je ferai réapparaître l'acrobate. Bon, allez, reviens maintenant. Bravo! Bravo, mon chéri! La lampe. Bien, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. C'est pas trop lourd? Aïe! Ah, très bien! Majesté, je prie Allah qu'il vous maintienne le plus grand des rois. Ah, mon excellent grand vizir, je suis ravi de vous revoir. C'est très gentil d'être venu, vous avez vu? C'est un succès. Je vous ai suivi pas à pas, si. Ça ne m'étonne pas de vous. Comment ça va à Bagdad? J'ai travaillé mes sopérios, vous allez voir. Mais Jimmy nous a aidé énormément. Cette lampe est merveilleuse. Jim? Jimmy Ginny, le précepteur de mon fils. Un homme absolument charmant. Mais je ne vous ai pas dit la grande nouvelle. Ma femme attend un enfant. Un garçon à petit pois. Ah oui, et on peut le savoir grâce aux ultrasons. Voilà, je vous présenterai Jimmy, vous expliquera tout ça. Ah ben non, c'est vrai, vous ne pourrez pas le voir. Il est invisible. Il vient de l'avenir. Oh ben, je vous prêterai la lampe. Merci, Majesté. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Vous allez voir ce que vous allez voir. Rien de grave? Pas du tout, ils sont venus pour le spectacle. On ne parle que de ça à Bagdad. Maintenant, voici le clou de notre spectacle. Thank you.
Emmenez le roi avec vous. Où est notre acrobate? Il a disparu. Il est peut-être dans la poêle. Je vais le faire cuire et le transformer en un. Rassurez-vous, je plaisante. Attention maintenant, regardez bien, je vais faire réapparaître l'acrobate. Où est Malon? C'est pas possible. Silence! L'acrobate était votre roi, le grand roi Sharia, commandeur des croyants. Cette femme est une sorcière, elle l'a ensorcelée, faites-lui un vagabond. J'ai voulu le ramener à sa dignité, elle l'a envoyé en enfer. Qu'elle nous rende notre roi! Sa Majesté est dans la lampe! Et je parie que c'est toi qui l'as volé, espèce de vieux macaque! Vous entendez comment elle me traite? Moi, le grand vizir! Le grand vizir! Garde! Oh. Avec toi, je vais conquérir le monde, écraser les barbares et tous les crétins qui ne pensent pas comme moi, vieux. Génial génie, sois mon esclave et laisse crever le roi dans cette lampe. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sharia est mort. Prions Allah pour qu'il soit entre ses saintes mains. Cette sorcière diablesse, hérétique, satanesque, l'a envoyé en enfer. La sorcière sera mise à mort demain matin à l'aube et juste après l'exécution, notre bien-aimé grand vizir sera couronné calife, roi de Bagdad. Commandeur des croyants pour la gloire! Dire qu'un jour ces gens-là voteront. Oh, c'est une catastrophe! Il y a bien une solution. On peut pas rester coincé éternellement au XXe siècle. Je suis désolé, il faut que quelqu'un retrouve la lampe et la rallume. Un miracle, voilà, j'attends un miracle. Il n'y a pas de miracle, Majesté. Seulement dans les contes de fées. Thank you.
enfin, Majesté, on était sur la bonne chaîne, la 2. Celle où passent les mille et une nuits. Mais arrêtez de tripoter six boutons. Excusez-moi, vous n'y connaissez rien. Un roi, c'est tout. Non, pas un roi barbare du fond du Moyen-Âge au fin fond de l'Arabie. Je n'en peux plus. Sire, ma télé, ne sais pas, ça l'a dit tout de même. Bravo. Alors, bravo, ça c'est malin, c'était votre dernière chance de rentrer chez vous. Je suis désolé, Jim. Vous allez pouvoir réparer. Allez me chercher un tournevis. Un quoi? Un tournevis, un truc en métal avec un bout carré, et là, c'est sous la selle de la moto. La moto? Elle est garée sur le trottoir. Mais quel trottoir? Sur le trottoir, là, merde, c'est... Oui, bah, j'avais compris, le trottoir du tournevis de la moto, j'avais compris. C'est pénible aussi, quelquefois, vous savez. Parlez sur un ton. Tenez-moi ce portable. Le tiers-monde, ça reste un problème. Je vais y arriver. Ça y est, c'est réparé. Revenez ici. On va peut-être pouvoir passer. Qu'est-ce qu'il faut, ce qu'il y a ? Tant pis, j'y vais. Vous êtes mon maître ? Bon, rien de spécial là, parce que je... Bien, là, je fonce. Hein. Où étiez-vous passé? Dans un nid de pie, là, pas loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est épouvantable. Je vais mourir au lever du soleil dans peu de temps. Il m'accuse d'avoir tué le roi. Rassurez-vous, les vivants. Je vais le ramener. Gagnez du temps. Racontez-leur des histoires. Mais quelles histoires? Écoutez, vous êtes Shirazad, après tout. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, c'est très urgent. Mais pourquoi un extrait de casier judiciaire? Oui, c'est à propos d'un enlèvement. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut voir l'inspecteur en haut bureau à droite. Oui, merci. Monsieur l'inspecteur, c'est pour un enlèvement. Et qui a été enlevé? Le roi de Bagdad, enfin un arabe. Bon, je vais faire un rapport. Oui, dépêchez-vous s'il vous plaît, c'est très pressé. Allez, allez, dépêchez-vous. Eh oh, asseyez-vous. Oui. Nom, prénom, profession, date de naissance. Sharia, roi. Non, je commence par vous. Oui, moi. Oui. Nom, prénom. Jimmy James. Jimmy. Né en l'an 1050. Pardon? Non, 1950. Non, parce que je... Allez! La voici, la fin. Bourreau, détache. Non, la fin, la fin. Je n'ai plus rien à raconter. Mon roi ne reviendra jamais. Le roi est mort. Tu l'as tué sous mes yeux, sorcière. Je crois que cette fois, tout est fini pour moi. Pour moi et mon petit pois. Emmène-moi avec toi, Shirazad. De toute façon, je viendrai quand même. Je vais courir toujours après toi. Je ne peux plus continuer à fuir. Je suis fatiguée. Finissons-en, monsieur le pauvre. Je vais faire très attention. Vous le sentirez ailleurs. Alors, monsieur Shariar,
S-H-A-R. Mais non, mais le temps n'est pas si vite. Non, écoutez, c'est un truc très important. C'est un émir, un roi du pétrole. On frôle l'incident diplomatique. Connaissez-vous les ravisseurs? Mais c'est vous! C'est la police qui lui a sauté dessus en sortant de chez moi la nuit dernière! C'est un ami personnel de la reine d'Angleterre. C'est pas un enlèvement, c'est une arrestation. Peut-être c'est bien cet arabe qui a volé la moto. Oui, c'est lui! Où est-il? En bas, au poste de police. Oh! Majesté! C'est moi! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Agib, embrasse le bourreau! Allah l'a toujours protégé! Il va intervenir! Il est toujours intervenu! Non! Non, je ne peux pas! Bourreau! Donne-moi ta hache! Je suis d'accord pour libérer votre émir. Ah, je vous fais une levée d'écrou. Alors, la date... Ah, excusez-moi, plus de ruban. Ah, merde, Simpson a pris la clé. Quoi, Simpson? Quelle clé? Bah, on range les rubans dans le tiroir. Simpson a pris la clé, il est parti déjeuner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va bien comme ça. Allez, hop! Les mains en l'air! Pas un mot, les mains. Allez, allez! Allez! Allez, allez! Tout le monde allez contre le mur! Le premier qui bouge le descend! Toi, libère le roi! Allez! Allez! Va t'appeler les renforts, un hélicoptère! Avec le plein d'essence, vite! Merci, Jim. Taquez-vous! Non, pas les putes! Bienvenue chez nous, Jim. Tout le plaisir est pour moi, sire. Surtout, n'essayez pas de me démontrer à votre tour qu'aucune femme ne vaut un royaume, n'est-ce pas? Vos désirs sont des ordres, Majesté. C'est étrange, notre voisin, c'est le portrait craché de cet acteur.